avez vu, je pense que, dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, je pense que la meilleure solution quand il y a un mec cancer comme ça, c'est tu le pougnes, t'essayes de le pougner, genre une fois ou deux, tu te casses et tu l'ignores, tu changes de session, tu te mets en passif et tout. Parce que les mecs, leur objectif, c'est après, c'est de faire du 1v1 sniper, bull shark, le casque et tout le bordel. Moi, j'ai envie de rester comme ça, j'ai pas envie de me faire une autre tenue tryhard et de partir sur 45 minutes de duel sniper, bull shark. Donc, je pense que c'est ce que je vais essayer de faire aussi dans Global Elite. C'est genre, si un gros casse-couille, gros tryhard, machin, ok, bah j'essaye de le baiser une ou deux fois et hop, je me casse. Comme ça, le mec, après, il peut même pas se venger. Tu vois, il restera bien dans son énergie de merde en fait. Je vais tenter un truc de fou. Je le tente, rien à foutre. Écoute, si ça passe pas, ça passe pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais essayer. J'essaye. Allez. Oh, gare commerciale, marchandises, événements. Non, c'est pas ça. Non, merci. C'est un peu un truc de taré que je vais tenter. Hein. Je crois que j'ai 2% de chance que de réussite. Véhicule d'export, non, c'est mort. Après, si j'y arrive, les gars, j'aurai un putain de gros bonus. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Oh, je kifferais trop avoir les bateaux. Par contre, si j'ai les bateaux, session publique. Comment ça, j'avais acheté des matières premières tout à l'heure, non? Allez, on verra bien. Ah. Les motos, ok, les motos, ok. Je vais tenter, je retente. Sauf que cette fois-ci, je vais pas perdre du temps, regarde. Hop, renvoyer le véhicule personnel. Je connais le chemin. Bon, Bushka, sur la plage. Alors, je vais essayer de bien disposer les motos. Enfin, de mieux le faire, en tout cas. Voilà, là elle va pas bouger celle-là. Sparrow, c'est de la folie les gars, on est 29 dans la session, c'est de la folie ce que je suis en train de faire, je le sais. Fils de pute. Nakula de merde, j'ai rien fait là. Qu'est-ce que tu niques ta grosse mère? C'est terrible d'être cancer à ce point là, putain. Ah tiens, un mec qui essaye de farm. Ah tiens, je lui nique sa grand-mère. C'est de la folie, oui. Mais si les joueurs étaient moins des têtes de bite, parce que ce sont des têtes de bite, ça serait moins de la folie, ouais. Et le mec, il a fait que des Bogdan. Ah bah voilà, bah maintenant j'ai les colis. Bah allez, niquez-vous. Camion poubelle. Ah bah là, je suis baisé là. Ah bah là, je suis baisé de chez baisé. Bon. Non mais c'est une blague Rockstar, c'est vraiment le mauvais délire. Eh tant pis, je vais essayer de me faire un billet là-dessus, je m'en bats les couilles. Ah, aujourd'hui j'ai croisé deux cancers en 1h30 de jeu. Ma parole, je vous jure, je veux pas faire ça. Mais s'il y a une MK2 là qui s'amuse à me péter, je vous jure, je lui cartonne sa gueule là avec mon mode menu, j'en ai rien à foutre. Là je le décore, là c'est bon, là j'en ai marre. Et puis une fois qu'il m'aura pété toutes mes motos, l'autre connard en Akula, il aurait pris le duel ce fils de pute. Ah non, il se serait caché comme une merde, il aurait fait ouais, invitation braquage Lester, hop là. Voilà, je suis trop heureux, allez, va te faire tirer les oreilles fils de con là. Ouais mais non, t'as qu'à pas faire le club de motard parce que club de motard faut être plusieurs, braquage du casino faut être plusieurs, bunker faut être plusieurs, toutes les activités faut être plusieurs. À part Caillou Perico, c'est le seul truc qu'on a les joueurs solo, c'est le seul truc qu'on a. Je critique les colis mais putain de merde, les poubelles c'est pas mal aussi hein. Pétez-moi mes trucs bande de fils de pute. Regarde, je vais l'enculer avec mon mode menu, retenez-moi d'activer mon mode menu, je vais l'enculer lui. Stop it, Indy. Va te faire enculer, fils de pute, va. Allez, c'est un français en plus. À quel moment j'ai pété tes marchandises? Allez, c'est ça, ouais. Allez, va bien te faire enculer, toi. Tu sais, ça recommence, je suis bloqué. Bah, tu sais quoi? J'aurais pas eu mes marchandises, mais toi, t'auras pas eu le loisir, gros fils de pute, de me baiser la gueule. J'arriverai pas à faire ma livraison. Je m'en bats les couilles. Lui, il ira pas dormir avec sa sucette, ce fils de pute, en disant ah, aujourd'hui, j'ai niqué 14 farmers. Tiens, nique ta mère. 3 sessions, 3 cancers, c'est bon, quoi. Eh ouais, c'est pas bien, j'ai craqué. D'habitude, je fais pas ça, mais là, j'ai craqué, là, c'était trop. Regarde, déjà, la vente, elle est pas possible. Abruti là, l'autre abruti là. Et pareil hein, comme d'hab dans le déni. J'ai jamais pété tes marchandises. Tu tirais son gros cul de ta daronne. Déjà si j'en livre 5 je serais content, je m'en bats les couilles. Ah, j'ai totalement craqué là, mais bon. Je vous montre ça hein, les potes, j'ai craqué. Je sais que c'est pas bien mais c'est fait. Il méritait que ça en fait. Bah tu sais quoi, si c'est ça, moi je vais retourner en solo. I wanted to boost you.
Mais même un gang de 3, frérot, qu'est-ce que tu veux faire? Imagine, il y a une team de 3, il prend les camions poubelles, frérot. Ok? Chacun en camion poubelle, à la queue leu-leu, on va livrer. Imagine, il y a une MK2 qui débarque. Il faut que les mecs qui sortent en même temps, ils se protègent. Mais la MK2, elle va tellement vite, frérot. Elle fait zion, zion, bam, bam, bam. Elle fait 4 allers-retours. Elle nique la marchandise, même si les mecs sont 3. Il faut être 6, frérot. Faut avoir 3 camions poubelles chargés avec des joueurs qui conduisent. Et faut 3 MK2 pour te protéger. C'est n'importe quoi. Pour 300 000 $, n'importe quoi. Ah bah voilà, on m'a pété mon camion. T'es où Lucifer, frérot? Ah, Lucifer, c'est l'organisation bleue. Je vais aller les baiser, hein. Je vais aller les baiser à la legit, hein, les gars. C'est les bleus, hein. En plus, ils sont un club de motards. C'est les Français, c'est Tekken et Monsieur Gamer. Ce seront sûrement les premiers à chialer quand ils se feront péter leurs marchandises, mais ils font la même chose. 245 000, j'ai limité la casse. Je vais venir t'enculer, ma parole. Vas-y, descends-moi. Qu'est-ce que tu casses les couilles, toi? Je t'ai sonné, peut-être. Je viens pas pour vous, les teubés, là. On va m'empêcher de me venger, quoi. Tu sais quoi, je vais appeler mon Night Shark, je vais les baiser. Quoi? Mais putain, dans ce jeu, on peut pas jouer 2 secondes sans se faire harceler. C'est ça qui rend ouf. PNJ, police, tout le temps, putain. Pas 2 secondes tranquille, bordel! Là, vous êtes tous dans la merde. Là, je vous dis, vous êtes tous dans la merde, là. Je suis déjà allé voir l'autre con, là. Fils de pute, va! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, grosse merde, va? Je roule dessus. C'est très bien ton lance-grenade de merde. Voilà. Voilà tes cœurs. Il est où ton petit pote là, la grosse pute? Tiens, pâte à crêpe avec toi. Saute avant que j'arrive, saute. Voilà. Voilà, tu veux faire quoi? Eh oui, parce qu'il est niveau 50, il a rien débloqué, il pète déjà les gens. C'est déjà un cancer, le mec est que niveau 50, quoi, j'y crois pas. What? Il est si fragile que ça, le Night Shark? Allez. Et voilà, il est flic et tu peux pas faire un duel 2 secondes. Ah là, j'ai les missiles manuels. La Kula, c'est vraiment de la merde, hein. D'avoir que des missiles auto, c'est vraiment de la merde. Allez, boum! Cache-toi. Allez, rage-quitte. Voilà, il a rage-quitte. Gamer, il est où? Gamer, il a pris un malin plaisir, lui. C'était son pote. Je peux pas savoir lequel des deux a pété le truc. Ah bah, il a quitté, en fait. Bon, allez, moi, je vais me calmer. Je vais aller boire un verre au vanille, hein. Yo, les petits potes, je le referai plus. Je sais que c'est pas bien. J'aurais dû me contrôler, mais voilà, c'est parti tout seul. Surtout que, genre, 5 minutes avant, j'avais dit, putain, s'il y a un autre cancer qui arrive, je le défonce. J'ai fait un sondage aussi pour savoir est-ce que je devrais abandonner les ventes en session publique de clubs de motards. Et vous m'avez majoritairement répondu non. Alors que moi, je pensais que vous allez me dire oui, clairement. J'ai aussi vu un commentaire qui m'a fait extrêmement plaisir. Trop content à chaque fois qu'une vidéo sort, tu rends heureux beaucoup de gens. Franchement, ça m'a grave touché les potes, parce que c'est vrai que ouais, ça me fait plaisir. Je vous dis, ça me fait plaisir de me dire que je fais plaisir, et vous me faites très plaisir aussi, parce que j'adore faire mes vidéos, j'adore faire Soum Soum. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée avant. Donc la popularité, c'est bon. Allez, on va bouger. Les gars, j'ai réfléchi à un truc. Vous savez, les business de club de motards, on a tendance à les prendre en ville. Et on me dit, ouais, en ville, c'est mieux, nanani, nanana. Mais en fait, je me demande si c'est pas une mauvaise idée, en fait. Parce que je me dis, si j'avais eu mon truc de coke, si mon truc de coke, il était à l'autre bout de la map, forcément, il y a beaucoup moins de joueurs à l'autre bout de la map. Donc, il y a beaucoup moins de joueurs qui vont être motivés pour se taper toute la map, pour me cancériser, tu vois ce que je veux dire?
Donc j'étudierai la question, mais je me rends compte quand même que sur GTA Online, c'est pas forcément les bâtiments les plus chers qui sont les plus intéressants, comme la boîte de nuit. J'ai l'une des boîtes de nuit les moins chères, je crois. Et frérot, elle est près de plusieurs événements guerre commerciale. Elle est un peu reculée du centre-ville. Et franchement, c'est pas plus mal. Je la regrette pas, tu vois. Mais je lâche pas l'affaire, hein, tant pis, je lâche pas l'affaire. J'ai une autre vente à faire, je vais faire une vente, je m'en fous. Je vais continuer, tant pis, hein, j'aurai des pertes. Hein. Je vais me faire péter la gueule, mais quand je vais réussir à en livrer une, je serai trop heureux. Là, on est que 3. Allez, 5000. 73 000. Eh ben, je vais la faire. Je vais déjà me réapprovisionner. Celle-là, je vais la faire. Si je la laisse monter à fond. Allez, les faux billets, pareil. Allez, hop. Comme ça, si ma coquette pète, je suis pas dégoûté. Je ferai mes autres trucs. C'est pas grave. Allez, hop. On va aller taper cette vente tout de suite. Ou quoique, j'attends un tout petit peu. Ah, mais merde! Mes business de cannabis et tout, ils sont pas améliorés par contre, je crois. Il faut que je rachète des balles expo. Voilà. Marchandise spéciale. Caisse électronique. Grossiste en immobilier. C'est parti. Ok, c'est le camion dans l'allée. Donc, déjà, c'est un camion. C'est cool. Comment ça, je suis seul? Ah, bah, c'est pas ma faute. Ils sont partis, frérot. Ah, bah, je reste. Voilà, c'est celui-là. C'est ce que je me disais. Putain, mais il est jamais disponible en mission, le drone. C'est bien dommage. On peut pas céder du drone. Tranquille. Méfiance. Garde-moi ce petit pied, là. Voilà. Allez, on y va. Ça, c'est dans la boîte. Je vais changer de session, je vais respawn dans le bunker. Boum. 225 000 ici. Voilà, nouvelle session. Est-ce qu'il y a des gens? Voilà, 8 personnes. Mais voilà, mais moi c'est tout ce que je veux. Parce que comme ça, j'aurai peut-être un petit peu de bonus. 63. Ouais, je vais faire moins de 100 000. Je vais faire 90 000. C'est déjà ça. Oh putain, c'est la vente survie. Putain, elle est casse-couille celle-là. Deux fois d'affilée, quoi. Mais les balles. Te barre pas, frérot. En tout cas, sur le bunker, j'aurais été rentable parce que j'aurais acheté une matière première, j'aurais fait une vente à 120-130 000, et là, c'est là, je sais pas combien, mais j'aurais déjà remboursé mes 75 000 sur le bunker. Le problème, c'est sur la coke. Comparé à certaines missions, ces bots, c'est un peu du cadeau, là. Allez, ça fait plaisir pour une fois dans un épisode, j'ai pas besoin de remonter la boîte de nuit, quoi. Oh, c'est chaud, là. Oh, c'est chaud de mettre des têtes, là. Oh, là, ouais, c'est chaud, là. Oh, putain, non, je vais mourir, là. Je suis pas chaud du tout, là, ce matin, là. Je suis pas chaud. Allez, on n'en parle plus. Tour ma chemise propre. Mais non. Il se barre sans moi, ce fils de pute. 77 000. Putain, mon bonus forte demande, il était nul à chier. Hein. Allez, hop. On va voir ce qu'il y a. À toi de jouer, mon pote. Chacun sa petite voiture. Ça, c'est fait. Bon débarras. Je vais quand même check les véhicules exotiques et les contrats juste pour... Juste l'histoire de jeter un petit coup d'œil. Contrat de l'Union Depository à 300 000. Il faut que je le valide. Je vais pas le faire tout de suite, mais vous connaissez la technique. Tu le valides, voilà. Et comme ça, il peut rester plusieurs semaines affiché. On m'a dit, ouais, la Spectre que t'as fait, comment t'as réussi à la faire trop belle. Ça me fait plaisir qu'on me dise ça. Merci les frérots. Ne me demandez pas où je vais, je ne sais pas. Oh non, j'en ai plus qu'un. Putain, mais j'ai zéro milieu de gamme, c'est un truc de fou. Ah bah, j'ai pas le choix, je vais la livrer. Hein. Je vais le faire en voiture. Okay. J'ai hésité avec le cargo bas parce que celle-là c'est pas une fusée non plus. Il regarde le radar. Il s'en va. C'est bon, la voie est libre. Nistelrooy, il arrive très très vite. Comme s'il avait. Non, c'est bon. Non, il essaye pas de prendre à gauche. Non, il va au casino. Ok, impeccable. Tout surveillé tout le temps quoi. J'bim. Bah, on se stabilise en dessous des 2 millions. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. Mais avec tous les business qui sont en train de tourner. Bermas, Jean Cabrio, faut la vendre. Salut mec. What?